tous. Et venez, c'est par là mon bureau. Écrivain et journaliste, il diffuse des émissions et des chroniques dans le monde entier. Depuis ce petit stade, mes chers amis, à son actif, près de 5000 heures d'émissions sur des chaînes culturelles et laïques. Pour garder notre laïcité en France. Mais, et ses enfants sont nés et ont grandi là. C'était sa première marche sur Champs-Élysées. Il a commencé à marcher sur Champs-Élysées. Sa fille Morgane. David Abassi, son pseudo pour le monde persan, Siavash Avesta, écrivain, historien, philosophe, président de l'Institut Avesta, porte-parole de New and Modern Zoroastrian of World, auteur de plus de 120 ouvrages et 5000 articles et plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées, est né le 22 juillet 1957 à Machad, ville sainte située dans la province de Khorassan. Qu'est-ce que le New and Modern Zoroastrien ? Le zoroastrisme est une philosophie dont Ahura Mazda est le seul responsable de la mise en onde du chaos initial, le créateur du ciel et de la terre. Le zoroastrisme est une réforme du mazdéisme, réforme prophétisée par Zarathoustra dont le nom a été transcrit Zoroastre par les Grecs. Cette réforme fondée au cours du 4e millénaire avant Jésus-Christ dans l'actuel Kurdistan iranien est devenue la philosophie officielle des Iraniens sous la dynastie des Sassanides.
jusqu'à ce que l'islam arrive, même si cette philosophie a réussi à se fondre dans le patrimoine culturel iranien. En effet, les Iraniens, indépendamment de leur religion, accordent beaucoup d'importance aux fêtes zoroastriennes. Les zoroastriens respectent le feu et le soleil comme symbole divin et la source de la vie. Zoroastre prêchait un dualisme reposant sur la bataille entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, dualisme présent dans l'islam chiite duodécimain. Le principe de Zoroastre est qu'il existe un esprit saint, Spenta Menu, fils de Ahura Mazda, et un esprit mauvais, Angra Mainu, esprit incréé, opposé car représentant le jour et la nuit, la vie et la mort. Ces deux esprits coexistent dans chacun des êtres vivants. Angra Mainu et Spenta Mainu sont en guerre et conflit permanent par l'homme. Le père de David Abbassi, le cheikh Abbas, historien et islamologue, a été assassiné 2 ans et demi après la révolution islamique à Machad. Un de ses ancêtres, Daoud Khan, David Khan, a créé avec Nader Shah un pouvoir central au Khorasan. Le grand-père, le cheikh Ismail, a été avec son ami Rochide, l'un des fondateurs de l'école moderne en Iran au moment de la révolution qui a eu lieu en Iran à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Ils ont essayé de remplacer l'école religieuse réactionnaire où l'enseignement était professé exclusivement par des mollahs, par une école moderne. Dans cette lutte, le cheikh Ismail a plusieurs fois été emprisonné, torturé et exilé. Mais quand Reza Shah a pris le pouvoir dans son programme de modernisation de l'Iran, il a laissé le cheikh Ismail et Rochide libres de continuer leur lutte. Dès l'âge de 14 ans, David Abbassi a commencé à écrire des entrefilets satiriques dans les journaux iraniens. À 17 ans, il écrit son premier ouvrage, Les Ridicules de notre cité. Et n'ayant pu obtenir l'autorisation de publication, il le fait publier clandestinement. À 16 ans, il est à la tête de l'organisation de la jeunesse du Khorasan, dépendante du Parti du Peuple. À l'époque du Shah, il y avait deux grands partis autorisés. Celui du pouvoir, le parti du Premier ministre M. Oweida, appelé Iran Noin, et le parti de l'opposition, le parti du peuple. David Abbassi a commencé à exploiter son talent et son goût pour le verbe dès l'âge de 14 ans, où il fit ses premières armes dans différents journaux politiques et satiriques en Iran. Nous retrouvons David à l'âge de 16 ans sur les tournages de plusieurs courts-métrages. Sa passion pour l'image, la photo, les voyages et l'histoire ne pouvait que le conduire à continuer ce qu'il avait commencé à son adolescence. Quelques mois avant que le Shah supprime les partis politiques afin d'imposer son parti unique, Nasser Amiri, secrétaire général du Parti du Peuple, est décédé des suites d'un soi-disant accident de voiture. Au moment de la création du parti unique, David Abbassi a alors 17 ans. Il est incarcéré plusieurs jours pour avoir refusé de devenir membre du nouveau parti imposé par le Shah. Tout en poursuivant ses études, il continuait son activité d'écrivain journaliste dans différents journaux. Khorasan, Nabarma, Mardom, Caricateur. La veille de la révolution en Iran, David Abbassi organise un groupe appelé Ershad, Conscience, dont les finalités sont la liberté, l'égalité, la laïcité et la fraternité et également la conscientisation. Quelques jours après la révolution, il fonde le journal Ershad, journal pionnier et unique en son genre puisqu'il refusait le pouvoir des ayatollahs et pouvoir politique de l'islam et islamisation de politique. Ershad ressemblait plus à une école qu'à un parti politique. David ne croyait pas au centralisme des partis politiques et n'a donc tenté aucune centralisation du mouvement afin de laisser éclore les idées démocratiques, laïques, librement chez chacun.
En 1980, un an après sa création, son journal est interdit. Le journal Ershad, fondé en 1979 par le plus jeune rédacteur en chef, donc David Abbassi, le journal, donc, comme on l'a vu précédemment, fut interdit par la République islamique d'Iran quelques mois après sa sortie. Il s'agissait là du premier journal interdit après la Révolution. Jusqu'à aujourd'hui, moins de 30 ans après, plusieurs dizaines de journaux ont été créés et soumis à une interdiction de paraître. Mais la fierté reste à Ershad, qui signifie donc conscience, qui fut le premier média à lancer la laïcité en Iran en 1979 et mettre en place une vision critique de l'islam politique. Même en exil en France, Ershad a continué à paraître. David Abbassi a publié d'autres périodiques comme Oma, Sharif Arang, Kayan Jahani et le journal de petites annonces Étoile, premier journal des petites annonces avec le programme de la télé en France dans les années 80. David Abbassi, rénovateur et inventeur des idées pour une laïcité mondiale et la spiritualité individuelle, est à l'origine de l'utilisation du mot islam politique depuis 1980 et également le lancement d'une vision critique sur la politisation de la religion, l'islam. En 1984, en s'appuyant sur l'histoire de l'islam, il a publié les versets que le prophète de l'islam avait lui-même qualifiés de sataniques, son livre « Les secrets de l'islam », page 99. Son troisième livre, écrit trois mois après la révolution iranienne, « Islam sans clergé » a été remis en main propre à Khomeini, qui a commenté ce livre lors d'une intervention à l'école Feyzieh en direct, diffusée partout dans le monde, en citant le titre du livre de David Abbassi et en ajoutant que si on retirait les clergés, il ne resterait plus rien de l'islam. Il a, lors de cette intervention, menacé David et il lui a demandé de retirer ses commentaires et ses propos. David Abbassi, pour la première fois, a sorti l'origine de la terreur dans l'histoire de l'islam. L'origine de la terreur publiée dans Panoramique 2000. L'islam est-il rebelle à la libre critique? Et il a attiré l'attention du monde sur une vérité oubliée, à savoir qu'il n'existe pas une civilisation arabe ni musulmane, mais des pensées et des civilisations arabophones. Son livre Islam top secret et son article Quel monde arabe point d'interrogation plutôt les pays arabophones. David Abbassi était la première personne à sortir le nombre exact des guerres offensives, environ 60, du prophète de l'islam, dans son livre « Femmes et guerres en islam politique » avec une préface du sénateur et ministre M. Henri Caillavé. Dans un autre livre nommé Mitra, le dieu de la lumière, origine des origines, il nous parle de l'origine de la lumière et le combat unifié des penseurs et des prophètes pour combattre les ténèbres et faire régner la lumière. Grâce à ce livre, nous pouvons découvrir l'origine de beaucoup de sujets dans l'histoire depuis des milliers d'années à ce jour. Les idées de M. Abbassi ont provoqué un énorme changement, surtout dans la pensée des Perses et des autres êtres qui ont eu l'occasion de le connaître à travers Internet et ses émissions télévisées radiophoniques diffusées par satellite en quatre langues partout dans le monde. David Abbassi, inventeur du mot « islam politique » en 1980 et auteur de différents livres, « Islam top secret », « Islam de France » qu'il avait commencé à écrire et en 1996, suite à l'assassinat de ses collaborateurs, le docteur Arya Manesh, ancien vice-ministre du Shah d'Iran à Créteil, et le professeur
Assemi, président de l'Académie de Tadjikistan à Douchanbé. David Abbassi a été mis sous la protection rapprochée du ministère de l'Intérieur de France avec une voiture blindée et des officiers pour le protéger. Mais David était gêné de mettre la vie de ses officiers en danger. Il a alors proposé au président de la République et au président de la communauté européenne de faire pression sur les ayatollahs iraniens pour qu'ils n'envoient plus de terroristes en Europe, sinon ils seront sanctionnés politiquement et économiquement. Suite aux accords avec les Européens, les ayatollahs ont arrêté d'envoyer des terroristes en Europe pour tuer leurs opposants. Malheureusement, ils ont commencé à assassiner les opposants en Iran et c'est leur président Khatami qui a été obligé d'annoncer cela au monde entier, que les services de renseignement de la République islamique d'Iran tuaient leurs compatriotes dans le pays. Un acte historique de David Abbassi, c'est la fois où il se porte candidat à l'élection présidentielle d'Iran et propose la République laïque perse par référendum. David Abbassi était sixième dans les sondages. Et oui, en 1996, à la suite d'un sondage effectué en Californie aux États-Unis par la radio Voice Iran, lors de l'émission de Alireza Mehboudi qui demandait de désigner sept personnalités internationales iraniennes qui pouvaient représenter les 5 millions d'Iraniens en exil et le peuple iranien pour faire un changement laïque dans le pays, Monsieur Abbassi était le sixième nom donné par la liste. Quelques semaines plus tard, David Abbassi se porte candidat aux 7e élections présidentielles d'Iran en publiant ses 10 principes dont le premier est l'instauration d'un pouvoir laïque au lieu de la République islamique d'Iran. Le 22 avril 1997, plusieurs milliers de personnes l'attendent à l'aéroport de Téhéran, mais la République islamique d'Iran lui interdit de se rendre dans ce pays. Les émissions télévisées de Monsieur Abbassi diffusées par satellite dans le monde entier, y compris en Iran, ont fait une grande révolution dans les pensées iraniennes et surtout dans le pays. La jeunesse, les femmes et les personnes âgées qui ont donc abandonné les pensées islamiques pour se rattacher aux pensées rationnelles et lumineuses de Mitra et Zarathustra. Ils changent même de nom en choisissant des noms de l'ancien perse. Pour combattre la pensée rénovatrice de M. Abbassi, la République islamique crée un sosie de lui qu'il nomme Dr Hassan Abbassi et qui cite des propos très radicaux et antidémocratiques. Les paroles de ce sosie sont envoyées dans les sites internet et dans différents médias pour créer une confusion et une confrontation dans la pensée du monde. Cet individu est un général de l'armée révolutionnaire islamique et l'un des conseillers du guide spirituel et professeur à l'université du Pastaran où des kamikazes sont fabriqués. Son vrai nom est Yazdollah Ghazvini. Et il a pris le nom de Hassan Abbassi pour tromper l'opinion internationale sur M. Abbassi qui depuis plus d'un quart de siècle est en avant-garde concernant la pensée laïque et rationnelle pour son pays et le monde avec ses visions critiques sur l'islam politique. À ce sujet, déjà plusieurs articles ont été publiés à l'international. Comme par exemple cet article « Depuis toujours, le système de renseignement et d'espionnage et contre-espionnage de la République islamique d'Iran essaie de détruire et démolir les personnalités dont leur pensée prend beaucoup de part parmi les Iraniens. Monsieur Abbassi, un penseur laïque résident en France depuis 1983, qui depuis plusieurs années a lancé beaucoup d'idées novatrices, démocratiques et laïques, est sans cesse une cible pour la République islamique. Cela fait quelques années que la République islamique a fabriqué un personnage qui avait emprunté le nom du docteur Hassan Abbassi, de son vrai nom, Yadollah Ghazvini. Il écrivait dans les journaux iraniens et beaucoup de gens croyaient que c'était Monsieur David Abbassi, celui de Paris, depuis quelque temps. Et donc Monsieur David Abbassi a emprunté le nom de Siavash Avesta pour que les islamistes soient obligés de montrer le visage de leur fausse imitation d'Hassan Abbassi
qui venait plusieurs fois par semaine à la télévision de la République islamique d'Iran et qui donnait des analyses et des idées pro-islamistes et anti-israéliens. Après avoir été démasqué, la plupart des gens ont pris conscience que le docteur Hassan Abbasi avait été fabriqué par les ayatollahs et qu'il n'était que le membre des services de renseignement de la République islamique. David Abbasi, fondateur du journal de petites annonces avec le programme de la télé en France, a également fondé le concept de la publication donc des programmes de télévision dans les journaux d'annonces gratuits. Il a inspiré la première maison de publicité assistée par ordinateur. Il a inventé le fax service à la disposition du public depuis 1984. À l'époque, même à la poste, l'envoi de fax n'était pas encore commercialisé. Et il a créé le premier point internet en libre service en France depuis 1994. Et il a également fondé plusieurs établissements commerciaux dans plusieurs arrondissements de Paris et également en Île-de-France. David Abbasi a fondé le mouvement culturel Alliance mondiale de la culture d'Awesta. À ce jour, il a plusieurs millions de fidèles en Iran et dans le monde. Et il a évidemment refusé la politisation de l'islam en croyant à la laïcité et à l'existence de la grande force organisatrice de l'univers avec le slogan pensez bien, parlez bien, pratiquez bien et l'amour et la paix dans le monde. Et chaque personne qui porte le signe de Farvar a changé son nom musulman avec un nom perse. Alors le Farvar est un des symboles du zoroastrisme. Il symbolise un Faravashi qui est à la fois l'ange gardien, l'âme et l'esprit d'un individu. Le mot Farvar serait dérivé de celui de Fravashi. Les deux enfants du Shah d'Iran, Leïla et Alireza Pahlavi, appartenaient à ce mouvement comme plusieurs milliers d'autres personnes qui ont participé dans la révolution verte laïque en 2009. Selon le rite zoroastrien, le prince Alireza Pahlavi, dans un testament rédigé il y a plusieurs années, avait souhaité que ses cendres fussent dispersées dans la mer Caspienne au nord de l'Iran, d'où est originaire la dynastie des Pahlavi. Plusieurs personnes ont laissé leur vie dans cette révolte, comme Neda Mostafa Gayami, Mohsen Roualamini, les parents de certaines personnes et certains membres du gouvernement islamique ont perdu également leur enfant, comme Ahmad Rezaï, fils du général Mohsen Rezaï. Il était en contact permanent avec David Abbasi quand il était aux États-Unis et il parlait régulièrement à la radio et à la télévision contre l'islam politique. David Abbasi célèbre également les mariages laïcs perses dans le monde. Le mariage, selon David Abbasi, est un lien, est une union sacrée qui demeure le premier pas de la construction et l'établissement de la famille et le bon déroulement de la société et la civilisation. Grâce à cet amour à deux, l'amour des autres pour demain commencera à construire et sauvegarder la paix, la joie, la dignité, la force et l'intelligence. David Abbasi a mis en route donc une méthode laïque et prestigieuse pour célébrer les mariages en quatre langues. Les portraits et les caricatures de David Abbasi ont été dessinés par de grands artistes internationaux. Deux portraits ont été dessinés par Maître Hushang Seyoun, fondateur de la faculté des beaux-arts en Iran, grand architecte des monuments historiques contemporains d'Iran, comme celui de Omar Khayyam, Avicenne, Ferdowsi, Nader Shah. We'll be right back.
médecin général, un magistrat, un haut fonctionnaire du ministère de la Santé. Donc, je voulais vous dire que le mérite des dévouements français, je vais d'abord vous dire que le mérite des dévouements français, parce qu'ici, vous le savez, Haroun Tazyev, et bien d'autres encore qu'il serait trop long de citer ici. Aujourd'hui, le mérite des dévouements français honore le président Bassi, que le mérite des dévouements français a estimé digne de sa décoration, puisque j'ai été présent lorsque la commission des récompenses a décidé de lui attribuer notre médaille d'argent. Et vous allez voir à mon propos, vous allez entendre à mon propos, que le président Abbasi a énormément d'activités. Il est né en 1957 à Machad, en Iran, au sein d'une famille liée depuis toujours à l'écriture. و ما همینان عزیزم سیاه و شهبستا جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه رو دریافت کرد به شبریک می کنید یعنی جایزه گران پری اومانیته دو فرانس از شما دعوت میکنم تا به مراسم اعطای این جایزه به دکتر حسن عباسی توجه بفرمایید Vous êtes de la noblesse iranienne, votre grand-père était le chef Abbas, historien et islamologue. Vous êtes historien et écrivain, la dégène. Là, on n'en va pas sans. Vous êtes chez nous depuis 1984. Vous êtes le fondateur du premier point internet en libre-service en 1994. Vous êtes l'auteur de plus de 65 livres sur l'histoire, l'art et la culture, dont quelques-uns en français. Vous avez écrit des pièces et des scénarios pour le cinéma. Vous êtes présentateur de télévision et animateur radio. Vous avez reçu dans vos émissions d'origine, dont mon internet, je ne vous pose pas grand intérêt, mais vous avez toujours collé à l'actualité. سیاوش اوستا و دریافت جایزه بزرگ انسان دوستی Thank you.
دوستان و یاران مهربان درود بر شما و روز و شبتان در مجلس سنای فرانسه مدال آرت سیانس لتر هنر دانش ادبیات فرانسه به سیاوش عبدستان Bonsoir. Si nous sommes tous réunis ce soir au Sénat, c'est pour fêter la remise de la distinction de la médaille de Vermeil de l'Académie Arts, Sciences et Lettres à notre ami l'Académie Arts, Sciences et Lettres a été couronnée par l'Académie française dont elle a reçu le prix Torlet. Cette distinction reconnaît en lui le promoteur fervent de la pensée laïque qu'il fut en Iran et qu'il continue à être de par le monde dans le cadre de ses très nombreuses activités. Il est né en Iran, je vais donner la date, à Mashhad le 23 juillet 1957. Alors, notez bien la date de son anniversaire. À tout hasard. Dès l'âge précoce de 14 ans, ses pamphlets émaillent les pages des journaux iraniens. Je pense qu'il nous dira tout à l'heure comment il a pu communiquer avec les journaux iraniens et probablement par l'intermédiaire de sa famille qui était en politique depuis longtemps. Il verse dans le théâtre, réalise plusieurs courts-métrages. Et à 17 ans, il écrit et publie son premier ouvrage, Les Ridicules de notre cité. Ce qui montre un peu l'esprit pamphlétaire qu'il pouvait avoir à 14 ans, s'est perfectionné pour arriver à l'homme que nous connaissons aujourd'hui et qui toujours est derrière les idées de liberté, de fraternité, d'égalité, de laïcité qui sont chères à notre République. À l'âge de 22 ans, il diffuse son propre journal, Ershad, ce qui veut dire conscience. Malheureusement, après 2 ans de vie, son journal est interdit en 1981. 2 ans après, nous retrouvons Abbassi en France et dès le départ, l'activité qu'il avait précédemment en Iran se développe, se démultiplie. À ce jour, il est l'auteur de 70 ouvrages, dont 600 français. Il a écrit quelques 2500 articles sur l'histoire, les histoires, la religion, la société, le monde. مراسم بزرگ انسان دوستی فرانسه و مدال طلایی شایستگی و سپاس فرانسه اینک نشان هنر، دانش و ادبیات فرانسه در مجلس سنا به ایشان اعطا C'est vrai, peut-être qu'il vient de nous rappeler un très très cher ami qui a été très très cher ami pour nous tous, Roland Aria, qui n'est plus parmi nous depuis déjà plus d'un an. C'est un ami fidèle, il nous manque tous. C'est vrai que c'était lui d'origine proposer cette médaille de distinction. Ça peut assez vite ici ce soir, comme on dit chez les Perses. La rose et l'amour va le remplacer pour toujours, mais puisque nous croyons que l'esprit va rester toujours vivant, son esprit est toujours avec nous et dans notre cœur. De l'autre côté, encore une fois, je veux remercier M. Jean-Philippe Biron. Juste ce soir, puisque je suis perse iranien, je veux vous dire que nous avons 3 perses ici qui ne sont pas perses, mais leur nom est perse. Je veux commencer par la femme de mon très cher ami général André Paris, Ariane Paris, n'est-ce pas? Ariane, comme vous savez. Alors, Odette Aria déjà, j'avais rassemblé beaucoup de documentation pour le président Aria. Aria, comme vous savez, il y en a beaucoup de noms, prénoms Aria
C'est le peuple iranien. Iran, ça veut dire Aryan. Iran, Aryan, c'est la même chose. C'est la prononciation. Je tiens spécialement à remercier Gérard de Paris. Si je prends la parole, cher Hassan, c'est pour te féliciter, pour dire que combien je suis heureux de la distinction qui t'honore et te remercier de nous avoir tous invités à cette cérémonie qui nous honore aussi. Parce que tu as dit quelque chose. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que je veux dire? Je te félicite pour ta décoration. Je suis ravi d'être là. Je te remercie de nous avoir invités. Et puis aussi, je suis ravi de rencontrer les amis que je connais depuis un certain temps, grâce à toi ou par d'autres biais. Et c'est vraiment un endroit très très agréable pour se retrouver avec toi. Quant à faire quelque chose, un colloque ou quelque chose comme ça, oui. T'as parlé d'Ido, ça parlait de... Non, je m'associe aux félicitations, je ne vais pas prolonger, et je suis solidaire de tout le monde pour te féliciter. Tu sais, je t'embrasse, et nous aurons d'autres occasions de nous retrouver. Merci Roger, voilà, on va commencer à manger, mais je vois que deuxième Roger, notre artiste cinéma, J'ai pas grand chose à dire, mais tout d'abord, cette médaille arrive un tout petit peu tard pour toi, mais c'est quand même grâce à notre ami Roland Aria, notre ami commun, qui n'est pas là aujourd'hui, mais nous pensons tous à lui. Et bravo à toi pour cette médaille. Merci Roger. Frédéric, tu as dit à moi? Président de Collectif Respect, Frédéric Barr. Cher Hassan, je te félicite, moi aussi, je me joins à ce concert de louanges pour te dire que c'est amplement mérité au regard de la brillante carrière qui est derrière toi et devant. Mais je pense qu'effectivement, il était temps que tu aies un tel diplôme. Quant à nous, tu es déjà membre presque d'honneur de notre Collectif Respect. Tu m'avais fait l'honneur l'année dernière de venir. Tu sais que là, nous préparons pour le 4 décembre un autre colloque sur le respect de l'autre et la lutte contre les communautarismes qui se tiendra à l'Assemblée nationale. Je pense que tu y interviendras cette année. Et donc, j'aurai plaisir à faire. Marie, à sa demande. Je te félicite et je suis très fière d'être iranienne aujourd'hui et de pouvoir accepter cette médaille, cet honneur. Merci, Marie. Merci. Il y a longtemps, monsieur Abassi, vous avez dû avoir influencé l'être, mais évidemment les événements ont fait que... Voilà. Mais enfin, je dois vous dire que quand le dernier samedi de chaque mois, je passe des nuits blanches à cause d'ici et maintenant, et à cause... Thank you.
travaux de l'Église. L'art, science, lettres a été décerné à M. David Abassi. Côté de ses activités littéraires, politiques et culturelles, David Abassi a célébré et organisé plus de 500 festivals, présentations théâtrales et les fêtes traditionnelles perses dans le monde entier avec les plus grands artistes. Il continue toujours ses activités radiophoniques et télévisées bénévolement et en plusieurs langues pour la laïcité et pour la paix internationale et la liberté d'expression. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Aujourd'hui aussi, j'ai le plaisir de finir mon émission avec le général Henri Paris, que je le souhaite plein de santé et longue vie et l'amour à côté de sa femme Ariane. Et ses enfants que j'ai vus comment ils ont grandi, comme tous les autres enfants, qu'aujourd'hui, général Henri Paris, il est fier de ses enfants. Bonjour mon général Henri Paris, bonne année 2020. Merci à vous aussi. Nous avons beaucoup appris de vous pendant toutes ces années. Et je vois que vous êtes en train d'écrire un autre livre. C'est quoi mon général, votre dernier livre? Un roman qui prend comme arrière-scène l'expédition du Mexique, la guerre de 70-71 et la Commune. Excellent. Combien de pages? Je ne sais pas encore, parce que je suis en train de l'écrire. Ça sera votre deuxième roman? Le deuxième roman. Première? C'était Sans complot pour 100 jours. Et il y avait 385 pages. Merci, mon général. Comme j'ai dit au départ, on a beaucoup appris de vous. Vous étiez un général avec des soldats dans le monde entier.
dans le monde entier. Et on était tellement ravis de toujours avec vous, à votre côté, mon jeune là. Mes respects. Merci. Henri Paris est né le 9 août 1935 à Neuilly-sur-Seine. Il est officier général français en 2e section. Il a exercé des commandements prestigieux comme celui de la 2e division blindée Saint-Cyrien. Oui, ça fait... Monsieur Ahmad Beto, conseiller et ministre de renseignement de Bourguiba en Tunisie. Avec cette interview, on a pu déclencher le printemps arabe. Il a subi des responsabilités très importantes, enfin, sensibles, disons, sensibles. Je souhaitais prendre ma retraite avec mes petits-enfants en Tunisie. Mais l'histoire... Et les événements qui ont eu lieu en Tunisie il y a 24 ans. Oui. Mon tamis, bien sûr. Bien sûr. Alors, David Abassi, vous avez, en fait, arrivé plusieurs fois de donner des pronostics sur l'évolution de certaines personnalités avant qu'ils entrent dans le monde de la politique et deviennent. C'est là, sur cette même antenne, sur la radio Ici et Maintenant, en 2001, vous disiez à Madeleine Hidalgo qu'elle pouvait devenir maire de Paris, alors qu'à ce moment-là, eh bien, elle n'était pas encore élue municipale dans le 15e. En 2002, vous avez reçu José Bové, syndicaliste. Vous lui avez proposé d'entrer dans la... José Bové, il a changé d'avis et il a accepté la proposition que David Abassi avait faite. José Bové passe à ce Monsieur José Bové. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Quel est votre plan d'urgence sociale? Alors, le plan d'urgence sociale, c'est d'abord permettre à chacun d'avoir un revenu décent, c'est augmenter le SMIC. Dès la création de YouTube, nous avons pu utiliser cet outil pour créer des correspondants indépendants, surtout dans le pays qui règne le dictateur. Ici, David Abassi apprend aux gens, grâce à ses émissions télévisées, diffusées partout dans le monde par le satellite Hotbird et l'Internet, comme quoi, comment ils peuvent envoyer leur message directement sur YouTube de David. Cette méthode que nous avons appris aux gens dans le monde entier, surtout en Iran, a aidé d'envoyer leur message facilement, comme printemps arabe, par l'Internet et par YouTube. سیدی حافظ رند شیراز برداشت اینو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا التي مقدمات الثورة سبقت الثورة نحن أنتم تعرف بأن بقول دائما نقول بأن أي حركة بحاجة للمحرك
حول هذا الموضوع انضم إلينا دافيد عباسي المعارض الإيراني. سيد دافيد أهلا بك. عشية الانتخابات، هل يحكم المحافظون قبضتهم على البرلمان الإيراني؟ طبعا مساء الخير أستاذ سياد. تعرف معنا قبل يومين من الانتخابات ومن باريس ديفيد عباس الكاتب والإعلامية الإيرانية، مرحبا بكما ضيفي الكريمين. إلى ضيفي من باريس وأسألك عن دلالة أيضا الأخبار التي تتحدث عن تظاهر الإيرانيين أمام مقر قيادة الحرس الثوري. مرحبا ومساء الخير. منذ 40 سنة في فكرتين ديسباراسيون دو جاك شيراك. بونسوار ميز أمي. La France, il vient de perdre un ami. Disparition. C'est M. Daubry, président du Parlement français. Je le remercie beaucoup. Il a dessiné le drapeau français et écrit « Vive David Abassi, vive la République ». Cette dédicace, excellent cadeau pour moi. Que vous soyez riche ou pauvre, de n'importe quel... Surtout, on dit aujourd'hui, hier, demain aussi on va dire, ils ont un rôle assez important dans la société, dans la politique internationale, histoire de pétrodollar, et bien sûr, dans la vie quotidienne. Serge Maître, qui est vraiment un maître. Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir, vous me voyez plein de confusion, rouge, transpirant, parce que je suis d'une grande humilité hein, devant la nature. On a l'argent et la nature, l'argent et le corps humain. Zartosht, zar, yani zahab. Zar, yani zahab. Tosht, le casserole, سيابي وهذا الظرف زرينة مذهبة ذهبية كالشمس. فلذلك أخذ تجربة دولية من كل استخبارات العالم. معروف به سیاوش اوستا، یکی دیگر از چهره‌های مطرح در فرانسه است و ما هم با او گفتگوی داشتیم که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم. دکتر حسن عباسی یک اسلام شناس و اهل قلم ایرانی مقیم پاریس است که 24 سال پیش به دلیل زیر سوال بردن سخنان پیامبر اسلام پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ناچار به فرار از کشور شد. David Abassi est depuis plusieurs années invité dans le monde entier pour animer des dîners, débats et des conférences et également des collectes. I'm going to see.
جمهوری فرانسه.